Regardez l'astuce de dingue que j'ai trouvée sur un mètre. Alors regarde, je vais déplier mon mètre. Bon, je vais l'accrocher sur le bout de ma table et je vais le déplier doucement jusqu'à arriver jusqu'au bout de ma table. D'accord? Et maintenant que je suis au bout de ma table, je vais le mettre sur le frein et regarde, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Je vais prendre le bout du mètre et je vais venir le replier sur lui-même. Et regarde ce truc de génie. Tu vas être espanté. Alors, je vais me mettre sur 2023. Donc, en fait, si tu veux, je vais me mettre sur 223 pour exprimer l'année de cette année 2023. Et c'est là que tu vas me dire, purée, t'es un génie. En fait, c'est simple. Regarde, 2023, on est sur zéro, d'accord? Puisqu'on est à l'année 2023. Donc, regarde, quelqu'un qui est né en 1970, aujourd'hui, à 53 ans. Quelqu'un qui est né en 1950 à 73 ans, tu vois? Quelqu'un qui est né en 90 à 33 ans. Et ainsi de suite, tu vois, tu peux jouer comme ça. Quelqu'un qui est né en 2000 à 23 ans, tu vois? C'est pas magnifique? Petit clin d'œil à mon petit hérisson.